Bien bonjour, bienvenue à la place Foucard. On est en plein cœur de Scarbec, dans un petit quartier très sympa qui est une cité jardin. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Journée sans voiture, c'est toujours le souci principal, c'est de se dire c'est magnifique, Bruxelles est accessible pour tout le monde, en vélo, voiture. Donc là, la grande envie de tout le monde, c'est d'aller au centre-ville, on comprend bien. Alors c'est vrai que nous, on est un comité de quartier et on essaye d'amener un peu de convivialité, de pas garder les gens chez soi, mais leur proposer aussi quelque chose chez nous. C'est pour ça qu'on, depuis des années, on essaie de faire des animations ce jour-là, pour dire notre quartier est aussi agréable sans voiture. Le joli papillon, on comprend tout de suite qu'il représente dans le fond les voiries du quartier, avec l'axe principal qui est l'avenue Foucard. Sur la photo, on imagine aussi les deux ailes du papillon, qui sont effectivement ici, avec l'avenue Foucard au milieu. Là, vous aurez repéré peut-être ou pas encore, il y a des dessins qui sont affichés tout autour de la place. C'est tous les dessins qui ont été réalisés à la fois par les enfants de l'école 17 et à la fois les enfants qui fréquentent la maison des enfants et le Ludo Contact, qui ont fait des dessins sur le thème du papillon. Voilà donc ici le stand qui sert à la fois au départ du rallye vélo. On a deux rallyes vélo qui font sur Scarbec, hein, qui fait 1h30, un qui fait 2h. Les gens peuvent venir toute la journée, on les lance, ils ont un roadbook, ils ont des checkpoints, des bonus points, ils font tout le tour. C'est pas accompagné, mais ils sont assez sécurisés dans le sens où on vérifie quand même où ils vont et on s'assure qu'ils reviennent et c'est chronométré, ça fait l'objet d'un concours. Mais ici, c'est un petit obstacle pour les cuistacs, ça les déséquilibre un petit peu. Une petite planche pour les vélos, pas évident, mais ça leur apprend l'équilibre et c'est assez essentiel. Après, on respecte le circuit, le circuit, le circuit. Et donc ici, ils arrivent sur un stop et puis ils continuent vers les feux de signalisation. On a deux petits feux qui fonctionnent quand on repousse sur les boutons. L'année passée, on avait un enfant qui restait à côté du feu et qui poussait sur le bouton parce qu'ils ont aussi beaucoup de plaisir à regarder et à jouer, parfois même la police. Hein. Ils sont avec leur sifflet et donc dès qu'on les responsabilise à faire un petit peu la circulation, ils sont ravis. On sensibilise les enfants au code de la route. Bon, ici, c'est profiter aussi du jeu parce que bon, mais on apprend plus en jouant. Et voilà mon fils qui s'étale en vélo. Allez, remets-toi, Antoine, t'es parti. Allez.